Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce 8 octobre 2020, 22h04, heure du Québec. J'espère que vous allez bien. Il y a quelque chose d'assez fascinant qui est en train de voir le jour, et on va aller voir ça ensemble. Ça nous est rapporté par le Los Angeles Times. La première viande cultivée en laboratoire à vendre pourrait provenir de cette start-up de Singapour qui recrée des crevettes. Oui. Shiok Meats, basé à Singapour, a recréé la viande de crevettes dans son laboratoire. L'entreprise vise également à produire du crabe et du homard. Oh là 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 là! Dans un coin industriel de Singapour, se multipliant régulièrement dans des bioréacteurs chauffés, précisément à 82 degrés, la vraie viande de crevette est cultivée à partir d'échantillons de cellules microscopiques de crustacés, ou du crustacé en question. Nourrie d'une soupe riche en nutriments destinée à imiter son régime à l'état sauvage, une seule cellule peut se reproduire plus d'un billion de fois dans un monticule de chair grise, translucide. Pensez-y, comme de la viande qui pousse sans toutes les autres parties de l'animal, y compris cette veine noire crayeuse. L'entreprise est dirigée par Sandhya Shriram et une équipe de scientifiques qui tente de renverser l'une des pierres angulaires du dim sum. L'entreprise de Shriram, Shiok Meat, tire son nom de l'argot singapourien utilisé pour déclarer quelque chose de délicieux. Un travail similaire est en cours à travers le monde dans d'autres start-up et laboratoires de recherche pour cultiver du bœuf, du porc, du poulet et des produits. Et oui, imaginez-vous, de spécialités haut de gamme telles que le thon rouge et le foie gras, mais la société de Shriram est la seule connue à se concentrer sur la recréation crevette, un aliment de base dans de nombreux pays asiatiques. Le produit fini de Shiok, ce journaliste n'a pas pu l'essayer car aucun étranger n'est autorisé à visiter son siège pendant la pandémie, possède la texture de la crevette hachée et a déjà été testé pour fabriquer du shumai, le pilier cantonais des dim sum avec l'emballage de boulettes jaunes. Mais ses applications sont potentiellement multiples dans la cuisine centrée sur la Chine. Vous pouvez en déposer une cuillerée sur un radeau de tofu, le cuire à la vapeur et l'arroser d'une sauce soya légèrement plus sucrée. Il pourrait être pressé hors d'une poche à douille dans un bouillon de peau chaud frémissant. Et c'est peut-être le genre de choses que vous voudriez rouler en boule, pain et frire. Finalement, Shriram, qui a cofondé l'entreprise il y a 2 ans, voudrait aller au-delà de la viande de crevette hachée pour produire du crabe, du homard et une crevette décortiquée, structurée, suffisamment convaincante pour accrocher au bord d'un verre rempli de sauce à cocktail. Nous pouvons imprimer la queue en 3D si vous le souhaitez, dit-elle. Singapour est devenu un acteur majeur de la technologie naissante, autrefois qualifiée de Frankenmeat, faisant référence à Frankenstein, naturellement, après que le chercheur néerlandais Mark Post a dévoilé le premier hamburger en tube à essai à un panel de critiques gastronomiques lors d'une conférence de presse à Londres il y a 7 ans. Les chercheurs ont été en mesure de faire baisser le prix de la viande, appelée viande de culture cellulaire ou viande propre, de près de 300 000 $ qu'il en a coûté pour produire la première galette de Post, mais pas encore assez pour la vendre au public. Le soumail de Shiok, par exemple, coûte 300 $ pièce. Dans ce qui a été décrit comme une course à l'espace comestible, au moins 55 entreprises dans le monde sont désormais impliquées dans le développement d'une variété de viande de culture cellulaire. Selon le Good Food Institute, une organisation à but non lucratif basée à Washington qui préconise des alternatives à l'agriculture animale. Cela inclut à Hong Kong qui recréer la gueule ou la vessie de poisson, une délicatesse souvent utilisée dans les soupes. Une start-up australienne qui cultive de la viande de kangourou et une entreprise en Chine qui cherche à recréer du porc dans un pays où la demande croissante de viande mettra à l'épreuve les limites de l'offre mondiale. L'année dernière, une start-up israélienne a réussi à faire pousser du tissu musculaire de vache sur la Station spatiale internationale. L'émergence de la science a provoqué des questions existentielles sur la provenance de la viande, incitant les végétaliens à se demander si la technologie représente une sorte d'échappatoire, si elle ne nuit pas aux animaux
et les chefs religieux juifs et musulmans à se demander si le porc cultivé en laboratoire pourrait être considéré cachère ou halal. À terme, la technologie pourrait permettre de fabriquer de nouveaux types de viande offrant aux chefs des possibilités inhabituelles. Imaginez quand vous pouvez adapter le goût de n'importe quel morceau de viande, a déclaré Ryan Betancourt, le cofondateur basé à San Francisco, de l'accélérateur biotechnologique IndieBio, qui fournit à Shiok son financement initial. Quel est le goût du porc avec de la graisse de saumon? Quel est le goût d'un mélange entre le bœuf, Wagyu et d'autres lignes de beefsteak de bœuf irrité? Et qu'en est-il de la viande qui a un goût à la fois aigre-doux? Les investisseurs investissent des centaines de millions dans l'industrie, inspirés par le succès des entreprises de viande à base de plantes comme Beyond Meat and Impossible, qui ont aidé à démystifier les alternatives à la consommation d'animaux de ferme pour un public beaucoup plus large qu'on ne le pensait auparavant. Les bailleurs de fonds dans le domaine en plein essor comprennent également des géants de l'industrie de la viande conventionnelle tels que Tyson, Cargill et Bell Food Group. Bill Gates, Richard Branson et Lee Ka-shing, l'un des magnats les plus riches de Hong Kong, parient sur le succès de la viande, tout comme des fonds d'investissement massifs tels que SoftBank et le gouvernement de Singapour, Temasek. Selon les experts, les hamburgers de culture cellulaire, les tendres de poulet et d'autres percées sont encore à un an ou plus de débarquer dans les restaurants et les épiceries, mais les événements actuels ont accru l'urgence de développer plus de choix pour la viande. La pandémie a révélé des failles dans l'industrie de la viande conventionnelle après que les travailleurs des usines de transformation aux États-Unis et en Europe aient souffert d'épidémies massives de la maladie et que la chaîne d'approvisionnement de l'industrie se soit déformée sous la crise, entraînant des pénuries, des hausses de prix et des limites d'achat. Les critiques de la viande conventionnelle disent que le virus fournit une raison de plus pour se détourner d'une industrie qui a fait des ravages sur l'environnement naturel, a servi de vecteur pour des maladies infectieuses comme la salmonelle et E. coli, et grâce à son utilisation effrénée d'antibiotiques sur fermes usines inhumaines, saper la santé humaine. Mais il n'est pas tout à fait clair si la viande de culture cellulaire est sûre ou plus saine. Les entreprises répugnent à partager des données, préférant opérer dans des silos secrets pour protéger leur propriété intellectuelle. Shiok a refusé une demande de voir ou de tester le goût de son produit brut pour cette histoire, citant un brevet en instance. Betancourt a ensuite fourni au Times une vidéo des cellules crevettes cultivées en laboratoire de la société sous un microscope. Ils ont atteint leur objectif de fabriquer des crevettes évolutives à base de cellules. Je vous laisserai le lien de cette histoire-là. Vraiment, vraiment hallucinant. Vraiment hallucinant. Nous en sommes encore au stade du prototype, montrant une preuve de concept et une preuve de valeur, a déclaré William Chen, professeur à la chaire Michael Pham et directeur de la science et de la technologie alimentaire à l'Université technologique de Nanyang de Singapour, qui travaille sur la culture du steak. Pensez-y. Pensez-y comme une voiture. Nous sommes capables de fabriquer une berline de base, mais pour faire un steak de bœuf, nous devons construire une voiture de course. La simplicité des crevettes, et c'est ce qui a attiré Sriram, 35 ans, vers le crustacé qui, contrairement au bœuf, au porc ou au poulet, comprend un muscle uniforme. Être en Asie était également un plus. Les propres enquêtes de Shiok et au moins une étude suggère que les Asiatiques sont plus disposés à essayer des aliments nouveaux comme la viande propre que les Occidentaux. Vraiment intéressant, je vous laisse ça, toute une histoire, mes amis. Mais on en est rendu là, à la culture de la viande en laboratoire.